Ah, le mec, il fait du rugby. Bon, dans mon équipe, à moi tout seul, j'ai travaillé sur le scaling des composants techniques qu'il y a derrière James et plus généralement OpenFast, puisqu'on a un certain nombre de choses en commun. Donc, Christophe m'avait parlé de scale sur d'autres composants, qui permet de lancer plusieurs fois un élément d'une architecture, enfin d'une architecture de plusieurs composants. Et donc, j'ai creusé un petit peu pour voir si ça permettait de faire des tests qu'on a pas fait pour Mactan, mais que j'aurais bien aimé qu'on fasse. C'est lancer OpenPath sur un cluster Cassandra, un cluster Elasticsearch, faire augmenter la taille du cluster, faire diminuer, et tout ça en test pour voir si, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui ne marche pas, et du coup avoir un retour sur la cible finalement qu'on vise en termes de déploiement. Donc voilà, j'ai profité de aujourd'hui pour travailler un peu sur le sujet. L'objectif de la journée, scale des backends de James, donc essentiellement Cassandra Elasticsearch. La stratégie, le scale de Cassandra, c'est pas très facile parce qu'il y a une notion de seed, donc en fait c'est un nœud qui doit être auquel les autres nœuds doivent s'adresser pour connaître la topologie. Donc en fait, il y a une petite astuce, c'est de définir un nœud Cassandra 0 qui est toujours là. Et après, dans le Docker Compose, on a un autre type de nœud, qu'on appelle N. Et celui-là qui a un lien vers le 0, et donc en fait, chaque consommateur va pouvoir le répliquer autant qu'on veut. Chaque fois qu'on va en faire une instance, il va se connecter au Cassandra 0, il va récupérer la topologie. Donc via ce mécanisme, tant que Cassandra 0 et le cluster va être capable de moduler son nombre de serveurs, enfin surtout d'augmenter le nombre de serveurs, parce qu'en fait, quand ça redescend, ça fonctionne, dans tous les cas. Ça paraît un tout petit peu compliqué comme ça, mais en fait, il y a trois lignes de code. Et après, il y a deux commandes. Donc en fait, comment on scale? Scale up. Donc on fait scale, on met le nom de la machine, entre guillemets, enfin du conteneur, qu'on veut répliquer plusieurs fois, et on met le nombre d'instances qu'on veut. Si on en veut deux, on met égal 2. On va prendre le 3 et ça marche dans un sens et dans l'autre. Donc une fois que le Docker Compose est lancé, on peut faire scale 2, scale 3, scale 1, et ça va retirer les nœuds, les ajouter comme on veut. Donc ça correspond exactement à ce dont on a besoin pour faire des tests, à mon avis, de carte de nœuds, voir comment ça se passe dans une situation dégradée, typiquement ce qu'on veut faire en cluster. Même chose avec Elasticsearch, mais c'est vachement plus simple parce que dans Elasticsearch 1, les nœuds ils se découvrent par un broadcast, donc globalement, si je lance 5 nœuds sur le même réseau, ils vont tout seuls faire un cluster. Donc, aucune modification de Dockerfile, il faut juste faire la commande qui va bien pour scale up, pareil sur scale down. Évidemment, tout ça est testé et je vais vous le démontrer en vrai. Alors, j'ai gagné un peu de temps, j'ai lancé le Docker Compose avec tous les modules avant d'arriver, ça met bien 2 minutes à booter. Et encore un second. Donc en fait ce qu'on voit, là je lance un outil qui s'appelle NodeTool qui permet d'avoir le statut du cluster Cassandra. Donc par défaut avec les modifications que j'ai fait, on est obligé d'avoir deux nœuds Cassandra. Par défaut on a un nœud de type Cassandra 0 et un nœud de type Cassandra N. Donc voilà, on se retrouve avec deux nœuds. Et par contre, après, on peut scaler. Moi, j'ai mes antisèches. Docker Compose, scale, Cassandra N. Et je vais faire 2. Refais notre tool là. C'est dans plateforme, je crois. Donc là on voit qu'il crée le nœud 2. Donc si je fais un Docker PS Non, c'est pas
vois ça. Ouais. J'essaie de faire un truc. Ouais. Donc en fait, on voit. Voilà, les deux autres. Voilà, on arrive là, on arrive là, et on arrive là. Petit tour de retour. Bon, il va chier un peu, on lui a lancé 3-400 bras de l'Elasticsearch. Donc là, on a bien 3 nœuds, dont un qui est joining. La première lettre, c'est up, et l'autre, c'est joining. Voilà, si on attend un peu, il va finir par être up tout court. Enfin, on peut montrer le schedule down. Donc ici, je peux faire ça. Donc, il va en supprimer au hasard. Et donc, ici, si tout va bien, il détecte que le nœud est down. Alors, on va en D. Donc, ça, c'est plutôt cool, parce qu'on va faire des tests en vrai. Et puis, donc, deuxième. Même chose avec, avec Elasticsearch. Si je fais ça, donc là ça lance un deuxième Elasticsearch. Donc là, pour savoir la topologie, on pourrait se connecter en bloc, je pense, mais j'ai pas le temps de faire ça. Donc je regarde juste les logs du premier jeu et qui doit nous bien, si tout est bien, voilà. Qui va ajouter un élément à son cluster. Search, donc, ça veut dire qu'ils se sont bien trouvés. Et donc ils viennent après, donc on va revenir en arrière. Ça, j'ai pas essayé. C'est remote. Question ? Ouais. Comment faire en vrai pour pas avoir un question de 0 ? Comment faire en vrai ? Alors, tu veux dire en prod ? Par exemple. Par exemple. Alors, j'ai cherché, ça tombe bien. En fait, la vraie stratégie, alors un Docker Compose, c'est pas fait pour faire de la prod toujours. Donc, il y a un truc type Kubernetes ou un truc comme ça. Et donc, il reste quand même le problème, effectivement, quand on déploie Cassandra à la main, on commence à faire une liste de seeds. Donc, c'est les machines qui sont toujours là, enfin, qui sont, auxquelles on doit s'adresser pour la topologie. Et donc, elles ont un rôle particulier dans un cluster, et donc, quand tu as un amour très flexible, c'est pas forcément très logique. Donc après, dans Cassandra, tu peux implémenter une classe de discovery en fait, que tu peux implémenter comme tu veux. Et donc il y a des gens qui ont fait des classes de discovery qui vont chercher dans un registre de type consul, TCD et compagnie, qui marche dans les Kubernetes. Donc en fait, l'idée c'est que Kubernetes lance des services. Cassandra, il y a une classe un peu spéciale qui va aller parler à un registre pour enregistrer des serveurs. Et par le même biais, il va récupérer la liste des autres serveurs. Et en fait, ça va se faire de manière dynamique avec un service central. Ce qui était, le but, c'est d'éviter ça dans le design de Cassandra. Mais en fait, dans un Kubernetes, le service registry, il est bien distribué. Donc, ouais, tu n'as pas de petit lieu, donc ce n'est pas un problème. Du coup, à la base de Cassandra 0, ça peut déjà être plusieurs liens très différents. Non, en fait, enfin, la subtilité là, c'est que. En fait, ce que j'ai rajouté, c'est ça, du fichier. Et en gros, ça dit quoi? Ça dit la liste des seeds, c'est le nœud seed, du coup, qui est déclaré comme un links. Donc là, le links, c'est un links au sens Docker. Donc ça dit juste, ça va mettre le Cassandra 0, enfin qui s'appelle pas 0, mettre le Cassandra 0 dans le fichier host de cette machine, enfin de cette ou ces machines. Et après, on va dire la liste des seeds, c'est un seul seed. Mais en fait, si tu veux. On peut avoir trois seeds en fait. Il faudrait déclarer trois fois la section. Ouais, on pourrait le faire avec. Il faudrait le faire à la main. Tu peux pas avoir lancer trois fois ça. Non, mais c'est pas une façon de le faire juste pour les seeds de main. Tu pourrais définir que tu veux trois seeds, effectivement, et puis après faire les links avec une liste de seeds ici, ça marcherait. Ouais, on pourrait pas prendre des seeds sur trois et faire les mêmes. Mais en fait, c'est que pour le boot, le seed, une fois que ça a booté, ils n'ont plus aucun rôle. Dès qu'ils ont la topologie, là, tu peux tuer n'importe quel serveur. Des questions ? Ouais. Ils sont arrêtés proprement, tes serveurs, là ? Ils sont arrêtés proprement. Ça n'existe pas, c'est des choses. En fait, c'est des serveurs, tu les tues, c'est du
cœur. Non, mais là, l'arbre ne paraît pas à la question. Non, mais si tu veux dire, quand tu fais le scale down, après, ça envoie 6 termes au conteneur, mais du coup, il s'éteint tranquillement. Là, il s'éteint tranquillement, mais même si tu le tuais violemment, ça ne change rien au cluster. C'est. C'est vrai que ça s'est jamais vu. Ouais, d'accord, ok. Merci.